de contre Pierre Favre. C'est les marques Abel, les marques Ducret, Floral, sur le fond des enfants, Mestre et Floral. J'ai toujours essayé de dire pourquoi on ne fait pas quelque chose autour du thé, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, un jour, ce sera ma société, si un jour j'en ai une, j'aimerais bien faire un concept autour du thé. Alors, la naissance, c'est un amour avec le thé. Ça fait très longtemps que je me dis, enfin, que je travaille dans les cosmétiques et je me suis toujours dit si un jour je montais ma propre marque, ce sera autour du thé. J'adore cette boisson d'un point de vue personnel. Je trouve que la cérémonie autour du thé, c'est très raffiné. Et en plus, le thé est la plante la plus concentrée en polyphénol. 30% de son point sec, ce sont des polyphénols qui est un très puissant antioxydant. Rencontre avec mon associé cofondateur, Guillaume Lefebvre, qui lui avait un concept autour de l'eau. Il a poussé très loin le concept de l'eau, donc il a vraiment étudié très profondément l'eau. Et du thé et de l'eau est né Temae. Temae qui veut dire en japonais la cérémonie du thé. Une fois que vous avez préparé le matcha, vous offrez à votre guest le matcha et vous lui dites Temae. Le premier bienfait, c'est la relaxation. Quand vous sortez de n'importe quel spa, on ne vous propose pas une tasse de café, on ne vous propose pas un whisky, on vous propose une tasse de thé ou une tisane. D'accord ? Donc déjà, l'atmosphère et l'univers qui entoure le thé inspire à la relaxation, à la détente. Dans un monde où on est super stressé, où tout va très vite, déjà c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est que ça contient énormément, donc comme je vous l'ai dit, de polyphénols. Ces polyphénols vont emprisonner, si vous voulez, les méchants soldats ennemis qui essaient de casser votre peau pour faire rentrer les mauvais rayons du soleil et vous faire vieillir prématurément. Donc dans une société où dès qu'on ressemble à quelqu'un qui a plus de 40 ans, on est un peu mis au rebut parce qu'on est trop vieux, on ne sait plus utiliser Internet, on ne sait plus utiliser tout ça. Donc c'est important de garder une certaine fraîcheur au niveau donc, de l'esprit en étant détendu, une certaine fraîcheur au niveau de la peau, et donc de prévenir ces signes de l'âge, si je peux dire. Donc c'est ça l'intérêt de Temae, c'est d'avoir réussir à prendre le meilleur de 4 thés. Donc on n'utilise pas du thé, on utilise un mélange de thé blanc, de thé noir, de thé vert et de thé rouge qui ont chacun leurs propres propriétés. Nous sommes présents en Tunisie depuis un tout petit peu plus longtemps. En fait, Monastir, c'est un partenariat qui nous tenait à cœur. Et on a discuté donc avec Slim et Faten, qui sont les propriétaires de ce magnifique endroit. On s'est apprivoisé, on s'est découvert. On a eu une envie mutuelle de travailler ensemble. Et on a pu le concrétiser en début d'année. Ils sont venus à Paris, ils ont découvert notre endroit, on est venu avec mon épouse, on a passé du temps et on a trouvé que c'était vraiment un mariage formidable. Il y a peu d'endroits en Tunisie qui rayonnent à l'international. J'en discutais encore à déjeuner quand je parle de mes voyages à des gens qui sont en Tunisie, ils me disent « Ah bon, vous avez été là ?» Par exemple, notre marque est présente au Burj Al Arab et ils nous disent « Ah, le Burj Al Arab, c'est formidable, c'est formidable. » Et justement, je reviens de Dubaï il y a 3 semaines et je discutais avec un directeur d'un hôtel extrêmement connu. Et il me dit « Alors, vous êtes présent en Tunisie ?» Parce que je lui ai dit que mon épouse était tunisienne. Et il me dit « Oui, on est présent. » Et par exemple, là, je lui parlais justement de ce partenariat. Il me dit « Ah, le Royal Issa, vraiment, c'est un des plus bels hôtels, le spa, c'est formidable, etc. » Et je me souviens très bien, il y a 5 ans, j'avais déjà la marque Temae. Et quand ce spa a ouvert, donc avec une autre marque que la mienne, j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit « Ah, quand même, ce si beau spa et on n'est pas présent dans ce spa. » Je me suis dit un jour, j'avais envie de travailler parce que ça, c'est ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. C'était vraiment les précurseurs. Ils ont eu l'audace de faire un spa de 16 000 m2, alors que la Tunisie, c'était vraiment de la thalasso, c'était plutôt un tourisme plutôt populaire, si je peux dire. Ils ont essayé de faire un autre tourisme, de faire un tourisme du spa, de faire un tourisme de gens peut-être qui étaient un peu plus sophistiqués, pour changer justement de la donne et d'apporter un autre visage à la Tunisie. Et ça m'a énormément plu et on a vraiment voulu participer à cette aventure. Je suis extrêmement optimiste. Certes, il y a les grandes chaînes qui ont décidé de venir, mais les grandes chaînes, si elles sont là maintenant et qu'elles commencent les travaux, c'est qu'il y a 2-3 ans déjà qu'elles ont signé un papier, en tout cas en interne, pour se dire on va venir dans ce pays. Donc, ce n'est pas le reflet actuel. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand
quand tout le monde disait que le jour des élections, ça allait être le chaos, quand j'avais mon propre personnel, quand je leur dis on va aller faire une formation en Tunisie, ils me disaient oh là là, j'ai entendu les médias qui disent vous êtes sûr, c'est safe pour moi d'y aller. Je leur disais mais bien sûr, j'y vais pour mes propres vacances, je pars en Tunisie pour mes propres vacances. Et quand les élections se sont bien passées et qu'il n'y a eu, à part un petit incident mineur, que ça s'est extrêmement bien déroulé, ça m'a fait plaisir. Et là, je me suis dit, vraiment, ce pays va rebondir. Quand on visite la Tunisie profonde, j'ai pris des photos il y a un mois d'un magnifique voyage que j'ai fait à Douga. Je montrais ça à mes amis quand je suis rentré à Paris. Ils m'ont dit « Attends, mais tu as été à Athènes, t'as vu l'Acropole ?» Non, j'étais en Tunisie, j'étais à Douga. Ce pays a des ruines magnifiques, a des vestiges exceptionnels. Je me suis marié il y a 4 ans en Tunisie et on a organisé un voyage de 4 jours pour mes amis pour leur faire découvrir la Tunisie. Je peux vous dire que ça a été vos meilleurs ambassadeurs. On leur a fait un voyage extraordinaire qui est différent des voyages plage, buffet, plage, buffet, plage, buffet. Et vous avez tellement à leur apporter, c'est tellement riche qu'il ne faut pas se limiter à la côte. Et que justement, venez sur la côte, venez voir les belles plages, mais ne restez pas tout le temps, prenez un sac à dos. Partez voir ce que le pays a à offrir et revenez vous détendre au Royal Issa bien sûr, mais ce n'est pas que du tourisme de divertissement, c'est aussi et pour moi surtout un tourisme éducatif, un tourisme qui peut être intellectuel, de découverte, parce qu'il y a un très bel héritage qui est resté intact et qui n'a pas été complètement détruit comme malheureusement certains pays. Sur notre site internet, quand on a annoncé le partenariat, on a des personnes qui nous ont dit très clairement, je devais passer des vacances, je vais les passer ici parce que j'aime bien votre marque. La Tunisie, pourquoi pas. J'y avais été il y a 20 ans au Club Med ou je ne sais pas quoi, ça fait longtemps que je n'y suis plus retourné. Parce que c'est vrai qu'il y a des destinations qui sont peut-être un peu plus trendy. Il y a Marrakech, il y a Istanbul, il y a Dubaï, il y a Doha. Et c'est vrai que peut-être que Monastir, c'est peut-être moins trendy. Mais le fait d'avoir des marques internationales, les international travelers vont peut-être venir un peu plus. Et je peux vous assurer que ce qu'il faut, c'est les faire venir une fois. Après, ils vont venir.